Voilà cette ambiance de premier coucher de soleil. Bon, c'est assez serré devant. Ça va, gardien. Allez, pense pour ça, regarde-toi bien. Premier lever de soleil de cette route du Rhum des Nations Guadeloupe. Après une nuit géniale sous la lune qu'on a encore avec nous là. Mise en jambe vraiment impeccable. Peut-être 10 heures que j'ai chaviré. Je sais que je suis assez attaqué fort, mais j'étais raisonnable. Vraiment. Avec Vincent, on était assez prudent là-dessus. Donc c'est ça, ça a été bien payant parce qu'on était en tête et bien en tête. Et là, là c'est dur de voir le bateau avec le mât qui se couche dans l'eau. De tenir à ce que je peux pour pas tomber. Et ça s'est bien bouclié. Je suis resté accroché jusqu'au moment où le mât a cassé. Donc là je suis passé à l'eau. Est-ce que t'as une idée le mât? Je n'ai pas de bruit en boissant de mât ou de peau qui t'arrive à quelque part. Bon, on est juste à côté, on vient de passer par le travers là, à 150 mètres. J'ai chaviré, je suis dans le bateau, je suis en sécurité, je suis pas blessé. On a pu rentrer en contact avec le Mérida, l'équipe d'Adrien Hardy, et après accueillir le reste de l'équipe pour attaquer l'opération de redressage du bateau. Et là, ça a été un niveau d'engagement, de compétence, de bienveillance, de sérieux, d'efficacité qui était impressionnant. Ça s'est très bien goupillé et on a passé donc la journée à tout mettre en place. Et ouais, dans l'après-midi, le bateau était à l'endroit. Moi, je peux pas faire la com et les manettes en même temps. On prend une portable en bas ou... Allez. Bon, bateau à l'endroit. Par contre, sacré niveau de chantier là. Bon, bah, l'occasion pour moi de découvrir Punta Delgada de jour. La dernière fois c'était tout de nuit. Alors, j'ai pas prévu, hein, c'était pas un projet sur mon parcours de le faire. Mais... Monsieur. Je lui va dans cette opération ménage maintenant. On est à l'agence touriste à Sorienne là. Et ça dépote. Si on voulait donner du positif à cette situation-là, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec des gens extraordinaires, avec une équipe autour de moi extraordinaire. Et... Mark with an exit sign above. Good luck and thanks for the outboard. Go out to the exit. De dingue de devoir s'émerger autour de soi pour remettre un bateau à l'endroit, le remettre en configuration, être prêt à naviguer à la voile et puis continuer à écrire l'histoire de cette aventure.